Salut tout le monde, c'est le Zersos. Peggy 18. Salut tout le monde, c'est Zeludzer, on se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil 7. La fois dernière, on s'était laissé dans l'épave. Décidément, j'arrive plus à parler. Avec Mia, je vais juste lancer mon chrono vite fait, j'en ai pas pour longtemps. Hop. Hop là, c'est parti. Donc, on s'était baladé dans l'épave pendant qu'il y a, avec Mia, à la recherche d'Ethan, parce que Ethan a été enlevé par une chose bizarre. Je pense que c'est ce qui a été contrôlé par Evelyn, la petite fille qu'on voit au bout du couloir, comme on peut le voir là maintenant. Et puis du coup, bah allons-y, hein. Allons-y. Je m'étais arrêté là, hein. Oui c'est vrai. Alors, je rechargeais par contre mon flingue. J'ai rien d'autre sur moi, je crois. Alors si j'ai un soin, j'ai ce truc là, un flacon étrange trouvé dans votre poche à votre réveil chez les Blackers, c'est probablement important. Est-ce que je peux regarder vite fait ce que c'est? Ah oui, d'accord. E001, d'accord, ok. Donc on a une espèce de flacon. Très bien, on a de la beuh, très bien. Ok, c'est tout ce qu'on a pour l'instant ici. Oui, parce que c'était les... très bien. Alors moi, ça fait pas mal de temps que j'avais pas joué au jeu. Ça fait pas mal de temps, et puis ça va me faire plaisir de rejouer. Donc là, faut que je sorte, j'aille à gauche et à gauche. Hein. Sachant qu'il y a toujours ces saloperies de... Sachant qu'il y a encore des monstres. Je sais pas où ils sont, mais on va y aller. Hein. Ok, ça se referme derrière moi, très bien. Bon, maintenant on a une arme, donc il est probable qu'on tombe contre des mobs. C'est pas impossible. Donc là, je suis au deuxième étage. Oh putain, dis-moi qu'on peut pas ouvrir ces portes-là. C'est verrouillé de l'autre côté. Ok, très bien. Pour l'instant, on continue de monter. Waouh. Waouh, ralentissement. Ok, c'est bon. On va se choper une Evelyn, hein, sur le... Sur le passage. Wow, depuis qu'on est dans ce bateau, j'ai des gros ralentissements. C'est assez chiant. On va donner une pièce, une autre pièce derrière. Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est Evelyn, non? On dirait un peu, ou alors on dirait un peu la mère Baker, un peu comme ça, non? De dos. On va se prendre un sale screamer, hein, je vous le dis. Salut. Regarde ça. Quoi? Pourquoi? Regardez quoi ça? Tu dois te souvenir. Comme ça, on pourrait être une famille. Genre comme ça. Si tu regardes comme ça, genre longtemps ou... Vieille cassette. Je peux pas enregistrer ? Il y a des bruits que je suis pas trop kiffant, mais. Bon, bah essayons, hein. Regardons. Comme vous pouvez le remarquer également, je suis très peu éclairé parce que je joue dans le noir pour une fois.
Alors, Mia Winter, cabine. Test, sujet E001, le flacon qu'on a dans les mains, que j'ai regardé au début de l'épisode. 6 transports log, top secret. Ok, donc les transports, transports de la mer. Top secret, ok. On va regarder. Alan, ton état s'aggrave. Elle a dû m'infecter durant l'attaque. Oh, regardez ce qu'il a. Trop tard pour moi. C'est tout ce que je mérite. C'est ma faute si elle s'est enfuie. Oui, c'est ta faute. Mais ça veut pas dire que je vais te laisser mourir. Oui, il a la même chose que Ethan. Pas attaqué. Ça fait partie de son protocole d'empreinte. J'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Tiens, il contient des échantillons de ces tissus. Tu la retrouves. Tu répares tout ça. Ok, on l'a tous. Où es-tu? Bon. Donc là, on est dans le bateau en lui-même. D'accord. On a un coffre. On a rien dedans, évidemment. Oh putain, si, on a un truc là. On a une putain de mitrailleuse. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ça déconne pas là. Là, ça déconne pas du tout en vrai. D'accord. Ok, on a une mitrailleuse. Et on a un couteau. Putain, c'est un meilleur couteau qu'Ethan, hein. En vrai, mais... Des balles. Alors. Division des opérations spéciales. Directeur Alan Droney. Responsable Mia Winter. D'après nos récentes informations, il y a un risque élevé que les organisations adverses tentent de dérober Evelyn. Si celle-ci reste à son emplacement actuel, vous avez donc pour ordre de la transférer dans notre branche centre-américaine, afin qu'elle soit placée en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Lors du transfert, assurez-vous de poursuivre les protocoles suivants. Faites-vous passer pour les parents d'Evelyn, afin de ne pas éveiller les soupçons. Utilisez le codex de son génome qui vous a été fourni pour contrôler les signes vitaux d'Evelyn. Si la mission venait à échouer, procédez immédiatement à l'élimination d'Evelyn. Ok, donc on en apprend un peu plus en fait. Moi je pensais que Mia à la base elle était allée dans le manoir des Baker comme garderie entre guillemets et que progressivement il y a eu un problème et donc voilà. Mais apparemment pas du tout. Donc de ce que je comprends là maintenant, c'est totalement à l'opposé, en fin de compte c'était clair avant. Mia a fait un truc un peu bizarre avec le bateau là, on dirait des, un peu un transport de, ben, j'ai pas envie de dire d'esclaves, mais un peu de la contrebande comme ça, vous voyez, un transport d'humains, enfin c'est étrange quoi. Mais bon, en gros Evelyn a un souci comme on peut le comprendre, et du coup, en fin de compte, on transportait Evelyn là sur le bateau pour l'emmener d'un point A à un point B, et donc le bateau s'est échoué à côté des merdes, enfin côté des Baker, et puis voilà, ça fait tout un mini, c'est pas possible. Mais d'accord, je m'attendais pas à ce qu'on va... J'aurais pensé qu'Evelyn était quand même plus sage que ça, en vrai. Elle est proche. Oh putain, je peux savoir à combien elle est. Le nom indique la distance jusqu'à la cible. Ok, 20 pas. Non, là je m'éloigne. Okay. Elle est dans l'ascenseur. Je vais finir d'explorer cet étage. Mais... 8, 9, 10... On augmente à partir d'ici, c'est bizarre. Attendez. Alors là on est dans le navire, donc on a... Ok, là c'est la même salle qu'on avait vue précédemment. Stimulant de l'herbe. Putain, je devrais cacher encore une balle pour changer. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Non, j'aurais rien à mettre. Ok, là on augmente toujours, hein, donc on s'éloigne d'elle. Alors on a la salle du capitaine. Ok. C'est pareil. Il faut quoi? Des clés, c'est ça on dirait? Pour l'instant on s'éloigne d'elle.
C'est quoi ce qu'il y a là, attendez. Ok, cartouche de mitraillette. Ok. C'est verrouillé, il y a la porte en face. Encore des suppléments. A mon avis, Evelyne est là. Je ne m'étonnerais pas, ou en tout cas par là-bas. On peut monter par là. Quel intérêt. Ouais, encore juste ici, j'ai pas plus fouillé que ça, mais non, il n'y a rien. Hein. Evelyne? Elle vomit. Merde, je dois la réinitialiser. Comment ça se passe? Elle vomit une quantité bien supérieure à sa masse corporelle. Oh, génial. On va être envahi par ces immondes petits copains si ça continue. Bon, il faut la trouver vite. Avant que ça dégénère. Je suis d'accord. Gentil, hein. On fait des dégâts ou pas? Non, je peux juste pas m'approcher. C'est déverrouillé. Ah, elle m'indique pas où est-ce qu'il faut aller. Evelyne? Ah, ok. 32. 33. Fuck. Ok. Ok, il y a un sacré recul avec l'arme, hein, en vrai. Je m'attendais pas autant. 38, d'accord. On est encore assez loin. Je pense que là, faut monter à l'ascenseur, je pense. Parce qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Ouais, c'est ça. Attention à la saloperie qui va se poser derrière. Y'a rien. S'il y a quelque chose. Mettons. Il y a là, mais je peux clairement pas y aller. Pas d'endroit où je peux passer. Ah putain, mais celui-là il marche. Ah d'accord. Ok, fallait faire ça. Donc là, je descends au sous-sol, c'est ça. On s'approche d'elle là du coup. Wait. Elle bouge. Elle se rapproche de nous là, non? C'est comme si elle avançait, c'est bizarre.
Oh putain, c'est un gros. Oh merde, putain, c'est un gros. Ok. Je te donne mal au dos. On a 20 minutes, on pourra s'arrêter là, mais on va continuer encore. Encore un peu. Okay, je sais pas ce qu'il faut. Oh putain, à mon avis, ça se sent rien de bon, à mon avis. 30. C'est par où qu'on descend? C'est par là-bas. Je comprenais pas, j'avais un truc qui vibrait. Bizarre, ma souris elle vibre, c'est étrange. Moi j'avais ma manette de connecter. J'avais ma manette de connecter, du coup ça vibrait sur tout mon bureau. J'ai trouvé ça bizarre quand même, comme je disais. Très bien. Ok, bien, on continue à progresser. À progresser. C'est sur le système nerveux utilisé. Et c'est ça, tel quel, ouais, c'est ça. Je peux rien du tout crafter. Hein. Rien du tout. Non, j'ai pas de. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, et le sang qui brille. Oh, salut. 42, ok. Bon, ça va y avoir de plus en plus de cadavres, j'aime pas trop ça, pas vous le cacher. D'autant plus que j'ai l'impression que plus on s'avance, plus elle s'éloigne. Non, là elle s'avance. Là on s'avance vers elle. 20, je sais pas ce que c'est en fait. C'est quoi? Parce que moi j'ai tendance à parler en bloc, 20 blocs Minecraft, mais. On se calme la lumière. Non, ça nous prend en mètres, je dirais. Elle est juste là derrière. Là, je sais pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Alan, je crois qu'elle est de l'autre côté de cette porte. Mais je n'ai pas la clé. Essaie de faire fondre la serrure. T'es au niveau inférieur, c'est ça? Regarde dans nos affaires. Ça me donne tout ça, c'est que ça prévient. Ça présage rien de bon, hein, à mon avis. On va balancer, mais j'ai pas confiance en la porte. Du corrosif. Rien d'autre? Pas de balles, rien de... Non. Non, non, non. Evelyne? Ah putain, elle est partie. Ça va pop une saloperie. Tu es fâchée contre moi, maman? Non, Evie, je ne suis pas fâchée. Attends, comment tu m'as appelée? Je veux plus vivre au laboratoire. Je veux une maison. Et je veux que tu sois ma maman. Ok, Evie, je serai ta maman. Mais viens avec moi maintenant. Où es-tu, Evie? Oh putain, je sens le screamer, un truc dans le genre. Oh putain. Elle m'a feinté là, c'est ça? Putain. Non, c'est pas des mètres, c'est quoi, des centimètres? Je sais pas comment il... Ah bah ça doit être des pieds en fait. Evie, attends! J'ai paniqué. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, mais elle s'est enfuie. Elle génère d'autres créatures, balle. Alan. Ces trucs sont partout. Je te l'avais dit. Est-ce que ça va? Occupe-toi seulement de ramener Evie.
Allez, on charge ça. On se rapproche encore d'elle. Okay. Oh putain, ça se réveille masse. Non, pas encore, pas encore, pas encore. Alors, laissez venir. Saloperie là qui arrive. Ah, j'ai même pas envie de la battre. Yes. J'économise des balles, j'économise des balles. Beaucoup de balles, c'est la merde. C'est clairement la merde. Non! Ah! J'ai pas de soin? Mais je peux en faire. En soi, je peux faire du soin. Je peux faire un. On va au troisième. Ça nous permet un peu de reconnaître un peu la zone. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui se passe? Système de verrouillage d'urgence activé. Alors tu veux que je sois ta maman, mais tu me laisses tuer. Alors tu me. Ah. Là, on est à l'endroit d'avant. On va essayer d'aller là-bas, je pense. Attendez, il y a notre pote qui est où, du coup? Entièrement de l'autre côté. Est-ce qu'on a le truc pour Evelyne, là? Non, on voit pas. On va essayer de voir notre pote. Qu'est-ce que ce machin en face? Pas ça, hein. Non. Putain, elle est où? Alan, Alan, où es-tu? Il y avait pas ça avant. Mettre un truc spécial pour les problèmes dans ce genre-là. Okay, on va pas tarder à se laisser. Il faut bien trouver un endroit un peu safe avant de vous laisser en fait. J'ai ces trucs là, attends. C'est vrai que j'ai ces trucs là. En plus, j'ai comme par hasard ce qu'il faut exactement. Putain, saloperie, elle m'a effrayé. Je l'ai entendu, je savais pas où est-ce qu'elle était. Je vous le dis, c'est la merde. Ok, j'ai toutes les bombes. Je peux pas les poser, c'est ça? Oh putain, si. Ok, je peux les faire poser. Ok. Quoi? C'est verrouillé? Attendez, faut que j'aille où du coup? Wait, faut que j'aille où? Toujours coincé par ce truc là.
quoi ça me servirait de passer là? Ah oui, de pouvoir passer de l'autre côté du truc de confinement. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je monte ou je descends? Bon. Faut monter. J'ai 31 balles. C'est vraiment pas grand chose pour une mitraillette. Hein. Bon, on va se choper Evelyn dans un coup, dans un angle, hein, je vous le dis. Alors non, mais faut aller là forcément. 45. Là c'est là où on est. À l'heure actuelle on est là, hein. On est en train de visionner la cassette d'ici. Okay, y a pas de balles ni rien. Non. Là y a notre pote. Comment es-tu arrivé ici? Oui, Evie. Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle s'en détériore. Foutu pour foutu, je pourrais te faire crever maintenant. Ne dis pas ça. Elle te fait confiance. Cette petite personne m'a jamais... Oh non, attends! Evie, non, Evie! Evie! Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça! Elle essaie de prendre le contrôle. Je voulais pas. Tu dois la combattre. Ce que je voulais. Ah, ça rip, hein. Evelyn, arrête. Arrête ça tout de suite. Je suis malade. Je suis répété, hein. Ouais, donc c'est ça, hein. Evelyn, elle prend le contrôle des gens comme ça. Ah, bonjour Evelyn. Comment vas-tu? D'accord, elle a pris le contrôle. Elle nous a pris comme ça, ok. Ah, c'est pas fini. 34 minutes, je voudrais bien vous finir l'épisode. Ok. Que faire, que faire? Alors, on a l'ascenseur ici qui est inaccessible, ou alors tout droit. De toute façon, on n'a pas trop le choix, du coup. C'est là qu'elle a fait la vidéo pour Ethan, je crois, non? C'est pas ça? Ah, c'est ça. Tu avais raison. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais... Tout ce que je peux dire, c'est que... Si tu as ceci... Reste... à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Des trucs là? Non, j'ai rien. Ok, donc c'est bien là qu'elle avait envoyé la, le truc à Ethan. Putain. Au pire, cours, hein! Cours, 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 cours! Comment vas-tu? Oh fuck! Cours! Oh merde, je crois que c'était fini. Non, c'est pas fini, si. Oh la vache! Oh la vache!
Bon. Je pense pas que ça soit la fin. Je pense pas, ça m'étonnerait. Tu te souviens maintenant? Oui, Evelyn. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Petite pute. J'ai eu trop peur. Oh merde, mais c'est dégueulasse, j'ai trop peur. Oh. Mon dieu, j'ai eu trop peur. Il faut pas dire ça à une enfant démoniaque comme ça. Ah non, dégage, je veux pas de toi, mais tu dis oui et tu la flingues dans le dos. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je ferais, moi. Dans cette circonstance-là, bien évidemment, mais... Bref. Bon, on a 40 minutes, ça vous fait un très gros épisode pour une fois, ça vous change de d'habitude. Si jamais vous voulez le regarder en plusieurs fois, maintenant c'est un peu trop tard vu qu'on est à la fin, mais... Bon, bref, voilà, ça vous a fait un gros épisode pour une fois, ça fait pas de mal, et puis je pouvais difficilement vous le couper à ce moment-là. Par contre, maintenant on va s'arrêter là, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter la vidéo, c'était The Luz, allez, ciao tout le monde. Allez. Et à la prochaine. Allez, ciao.